Alors tout à l'heure, là, j'ai cru avoir que j'avais démarré la caméra là tout à l'heure, mais bon, ça a été raté total. Hachi trois coups. Il y avait du monde en pagaille là tout à l'heure, mais bon, on s'est éloigné depuis. C'était les stations de Dordogne hein, qui se retrouvent là tous les jours, là sur le 19. Hein. Là, normalement, il devrait y avoir du monde. Alors, bien souvent, les stations en AM restent leur canal habituel. Donc, ils ne sont pas sans arrêt pendus au micro. Ah, tiens, là, il y a quelque chose. En plus, tout à l'heure, sur le 19, on s'est dit bonjour et tout. Là, justement, là, ça montrait très bien comme quoi il y a du monde. La propague n'est pas là, les stations redescendent sur le 19, logique. Hein. Alors, donc, pour les stations qui pensent que la CB s'arrête que des X, eh bien, c'est pas vrai. Là, les QSO locaux là, sont repartis là, comme il faut. Bon, là, c'est sur le canal 5, là. Ouais, on entend du monde, là, derrière. Là. Bon, on voit que c'est assez loin. Ça, c'est un QRM. Sur 1351, les stations fréquences de la part de Dindy 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Et bonne journée avec le soleil. Ah. Bon, vous êtes témoin, je l'ai dit, hein. Je me demande si j'ai pas un problème des fois en BLU. Hein. Le son est bizarre. Je me pose la question si des fois il a pas trop souffert cet été avec la chaleur qu'on a eue sur le sud-ouest. On verra bien à la suite. Ah, là aussi il y a du monde. Ah.
aussi, il y a du monde. Je crois qu'il y a ta propague. La propague, il est 11h05, on est le, je sais pas, le 9 septembre, non, c'est pas ça. On doit être le 4 septembre. Bon bref, on est aujourd'hui, 11h05, début septembre, il y a un peu de propague, mais là pour le coup, c'est les participants qui sont pas là. Le 4 septembre. CQ, CQ, CQDX, appelé de 14 km 3301 en mobile sur Libourne Est, Sud-Ouest France. Est, ouest, CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 en mobile sur Libourne Ouest en direction de Bordeaux, sud-ouest de France. Bon, on y reviendra plus tard. Canal 32, c'est popote. Bon, là, on n'a rien compris.
73-51, les stations en fréquence là, sur les environs de Bordeaux, de la part de Dundee 33, sur la nationale 89. De mon côté, ça va, ça va bien, c'est tout pour vous. Affirmatif, les bonnes soirées 13-51 à toi. Oui, c'est Moutmout, Cyril, du Forum Mézières. Ok, affirmatif, les bonnes soirées 13-51 à toi, comment vas-tu? J'entends, mais très très mal, je suis sur le périph' bordelais. Ah bah tu m'étonnes, il y a beaucoup de QRM là-dessus en plus. Hein. Ouais, pour ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, moi, j'arrive à la hauteur. Bah, j'arrive à la hauteur. J'arrive carrément sur la sortie 26 en provenance de Libourne. Oui, j'y suis à la sortie 26. Tu es à la sortie 26. On n'a pas parlé de la même sortie 26 parce que tu m'arrives pas très fort pourtant, là. Je remonte sur l'Ormont. D'accord. Ok. Donc, t'es pas loin de moi. Oui, ouais, je disais, là, tu dois pas être loin de moi. Les 73, la belette que j'entends derrière. Ah, chi, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, ça fait plaisir. Il y a une autre station aussi, là, qui est dans les environs, dessus, dessous, à côté, je sais pas loin de moi. Ah, je t'entends mieux à peu près, là, je suis à la hauteur de la station totale, là. Allez, je vous laisse nous amuser tous les deux, avant le journal, et si tu veux me copier, viens travailler un petit peu, ça peut faire un peu. Ouais, l'autre station est à la hauteur de la sortie totale en direction de Libourne. Là, pas loin de la sortie 26, la nationale 89. Et en plus, attends, hey, là, je suis sûr que tu vas pas aimer du tout. Je suis en vacances en ce moment, la belette. Je suis en vacances. Ah, la bonne heure. Attends, attends, voilà que je me dégage de là, ça y est, c'est bon. Ok, ouais, la belette, là, je suis en train de te perdre. Les bonnes sont très à toi, la belette, bonne route. Et puis travaille un peu, là, gagne un petit peu la retraite pour les autres, ça changera un peu. Hachi, oui, retour sur Moutmout, oui, si j'ai bien, si j'ai pas zappé. Je suis en train de prendre la sortie de Mérignac. La sortie de Mérignac. D'accord, ok. Donc, ah oui, ok. Ok, ça s'est un petit peu croisé, moi, dans les neurones. D'accord, ok, je vois où tu es. T'es, ben moi, là, je suis en train de redescendre vers le sud, vers le pont François Mitterrand, vers le bas. Quand tu te méfieras parce qu'il y a les 20 qui traînent. Ça, c'est de l'info. D'accord. Non, mais c'est bon. Là, je suis à 9 kg. Là, c'est bon. Là, je suis pile à la vitesse. Ah, oui, la station pour Dundee derrière. Les 2313-51. Les quais de bassin, ça. Oh putain, oui, t'es dans le trou là-bas. Je suis à la hauteur de la sortie 24, sortie 13, de ce côté-là. Putain, il y en a un qui m'a moustaché copieux là, sur la rocade. Là, du coup, j'ai rien compris, la station de bassin, ça. Je disais super bien, je passe bien. Ah ben, j'essaie de pédaler au maximum, hein, et plus on pédale vite, plus ça passe fort. T'es toujours en fréquence? Ouais, je suis toujours là. Ok, ben là t'es en train de t'éloigner de moi. Au fait, Moutmout, tu vas être content. Là, je suis en train de faire une petite vidéo là en même temps. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo là de ce côté-ci. Là, je vais être absent. Là, je suis en balade là toute la journée. Là, je m'en vais faire un petit tour chez Harley-Davidson, voir sur un Seloy. Puis après, un petit peu plus loin du côté de Mérignac. Là, pareil aussi, quelques courses à faire. Donc, et puis après ça, je pourrais me mettre au montage vidéo et tu pourras voir ça. Je mettrai ça sur le groupe où tu es, il n'y a pas de problème. Ouais,
Ouais, je suis en train de te perdre là. Les bonnes, donc là, avant de te perdre complètement, là, je vais t'envoyer les bonnes surprises 51 à toi. Merci pour ces petits contacts ainsi que les autres stations. Et la belette, espèce de gros feignant, va travailler un peu. Hachi. Et Moutmout, à très bientôt via internet. Voilà, voilà, c'est bien ça, j'étais complètement perdu. La station de Bassins, là, je suis en train de tomber dans le trou là, de Fleurac. Donc là, c'est pareil, là, je ne vais plus t'entendre non plus. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu m'entendes encore. Les bonnes 73 à toi, je suis pas loin du relais de Bouillac. Les bonnes 73 à toi et bonne route également. Ouais, ça passe plus. Là, je suis en train de passer juste à côté là, du. J'ai le relais de Bouillac, là, le relais de télévision de Bouillac là, qui est juste à ma gauche. Voilà, la bonne route à vous tous. Alors, qui a dit qu'il n'y avait personne hein, sur les 40 canaux? Ben, c'est pas moi en tout cas. Aussi.
station d'appelette pour Dundee 33 qui t'appelle. Oh, je crois entendre quelque chose. Oh, il est midi, tu dois être parti au casse-croûte. Que ce soit en AM ou en BLU, vous voyez, il n'y a aucun intérêt à quitter les 40 canaux, bien au contraire. C'est là qu'il y a le plus de monde, sur les 40 canaux normaux. Les Charentais qui sont là. Bon, c'est un peu difficile à les sortir. Hein. Ils ne sont pas trop laissés en Charentais, je crois que je me suis trompé sur le coup. Mais c'est du français. Thank you.
c'est Madame Bennett. Madame Bennett pour Dundee 33 qui t'appelle. Voilà. Attention la Bennett pour Dundee 33 qui t'appelle. Ou Coco pour Dundee 33 qui t'appelle. Oui, à la station des bonnes 73 de Dundee 33, actuellement sur la rocade entre Mérignac et le pont d'Aquitaine. Ah, les invités à quoi? T'as Coquillette. Coquillette. Ok, Coquillette, les bonnes 73 51 retournées. Bah, de mon côté, je suis un petit peu coincé là dans les bouchons. Ok, ok, moi je vais tirer sur le lac, je vais passer par derrière. T'as un truc qui couine là dans le micro, Hachi. Tu penses que c'est moi qui queen? Non, pourtant, je suis pas aussi vieux que ça pour voir les articulations qui grincent à ce point-là. Ah, mais t'as pas un micro derrière? Alors attends. Non, c'est quand je t'écoute que ça queen. Non, c'est simplement quand tu reprends le micro. Attends, je reprends le micro. Alors c'est peut-être En tout cas, le couinement derrière, il passe à fond. Lui, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Ouais, si tu as peut-être un micro préampli qui est un peu trop poussé, c'est possible. Hein. Ou alors, peut-être un problème de masse dans le micro, ce qui est aussi possible. Ouais, ouais, parce que là, ce matin, là, j'ai eu pas mal de monde là en fréquence et tout. Non, il n'y avait pas du tout ce problème-là. Hein. Ça passait très bien. Non, c'est... bon, c'est pas grave, on va pas en faire un fromage non plus. J'arrive à te comprendre quand même, c'est le principal. Ah, ok. Alors, si je comprends bien, on devrait bientôt se croiser, alors. Ah, mais moi, je voilà, c'est... là, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à te sortir. Je te disais... Là, c'est putain la machine. Là, il y a le bruit là, qui passe par-dessus. Putain, c'est chiant ça. Au moment, la première seconde où tu reprends le micro, là, ça va. Et puis, ça part en sucette. Hein. En tout cas, là, moi, je suis sur la rocade. Et bien, côté sens intérieur. Alors, j'arrive, je suis à 600 mètres de la sortie 7. À 600 mètres de la sortie Bousca-Aisine. Bien reçu. Mais moi, je m'en vais vers le Bousca. Voilà. Ah, bouge plus, reste tué, ça marche très bien. Là, ce coup-ci, là, la modulation a été propre, nette, claire. Ok, mais je bouge, c'est pour ça, je bouge. Ah merde, c'est l'inverse. Ok, d'accord. Non, trop mal de mon côté, ça va être là, ça allait, là, sur la route. Et au niveau du poste, là, moi, dans la voiture, j'ai un CRT 7009, avec en montagne une Wilson 5000. Moi j'ai une GPS-Z et Jackson derrière, un Jackson. D'accord, donc t'es en fixe. Mobile. Ah, une GP27 en mobile. Ah, je serais curieux de voir ça, parce qu'une GP27, ça fait dans les 6 mètres par là. J'ai quand même un doute là pour l'antenne. Voilà, l'antenne elle a dû taper d'un pont là pour le coup. Bon ben c'est pas grave, si malgré tout tu arrives à m'entendre, visiblement tu as un petit souci. Ou alors ça va être la circulation. Si tu reprends pas, ben, les bonnes surprises à côté à toi, de la part de Dundee 33. Content de t'avoir eu en fréquence et puis à la prochaine c'est la route. Sinon, à dans quelques secondes. Ah, là maintenant, oui. C'est parce qu'il y a du bruit derrière. D'accord, ok. Ouais, je disais, pour l'antenne, j'ai quand même un doute là pour la GP27. Une GP27, ça fait à peu près dans les 6 mètres de long. Je suis curieux de voir ça sur le véhicule. Hachi, trois coups. Non, mais je me suis trompé. C'est un ML 27.
Oh, ok, je crois que j'ai compris, il est 1m145. Ouais, ça, tous les coups, ça doit être ça. Ok. Ouais, non, parce que là, pour la GP27, c'est le genre d'antenne qui est installé en fixe. Et là, ça te fait un fouet qui tourne dans les environs de 6 mètres. Enfin, j'arrondis dans ces zones-là, quoi. Ok, j'en avais une sur la fréquence du Médoc. Voilà, j'étais sur le Médoc. D'accord. Bon là, oui, j'arrive à. Ben j'arrive, je suis en train de passer, je suis à l'arrêt à la hauteur de la sortie 6. Ah, ok, moi je vais m'en aller vers la rooftop. D'accord, ok. Et t'arrives d'où là comme ça? Ah, j'arrive du Médoc. Ah oui, tu tournes en local. Donc tous les soirs, t'es chez toi, quoi. Je suis mobile voiture. Ah ben, hey, toi, il y en a qui disent qu'il n'y a plus de mobile en fréquence. Si, parce que moi c'est pareil, je suis aussi en mobile, je suis aussi en voiture, pareil. Ben oui, il y en a quelques-uns, Ben bien sûr qu'il y en a quelques-uns. Et bien sûr, sauf que le truc qu'il y a, c'est que si on porte pas les yeux dessus, évidemment, ça se fond dans le paysage et puis c'est tout, quoi. Mais voilà, moi c'est pareil, je suis en Duster. Donc avec l'antenne mise en perçage en plein centre du toit, et puis voilà, quoi. Moi c'est une aimantée, et ça va super bien. Ben bien sûr, oui, j'ai entendu quelqu'un derrière avec les 73 de Dandy 33 en avant la station. Ok Nico, Léonian en mobile, les bonnes 13-51 à toi. Mais là je suis avec une autre station là qui est pas loin de moi, qui est aussi en push. Ben Nico, tu vois là, c'était très bref parce que là, pour le coup, là, je t'entends plus. Hein. Je suis à la hauteur, j'ai passé la sortie 6, Nico. Voilà, je suis en direction du pont d'Aquitaine. Bon, ben là, pour le coup, notre station qui est avec moi, c'est même pas sûr que tu l'entends. Enfin, je vais lui faire un retour de micro pour voir. La station qui est avec moi, là, tu as Nico, là, qui est perdu, là, au loin. Hein. C'est, je sais plus où, j'ai zappé. Mais bon, déjà, moi, il m'est arrivé très petit. Hein. Moi je l'entends pas. Ouais, et puis là effectivement j'imagine qu'il doit pas t'entendre non plus, je dois être le seul qui doit entendre. Ah chie. Là c'est normal car avec le poste j'ai un petit peu de puissance quand même derrière. J'ai pas peur, moi aussi, j'ai un peu qui passe derrière. Ok, et bien ça s'attend pas, ça prouve que c'est bien réglé. Ah, c'est vrai que vu la distance des uns des autres, tout ça, il faut donner un petit peu la main, quoi. Parce qu'en plus de ça, c'est vrai que si ce matin il y a eu un petit peu de propague, là c'est le calme plat et du coup ouais, il faut jouer un petit peu à pouce-pouce pour arriver à passer. Ah oui, mais si tu veux. Moi j'ai repris la fréquence, j'ai repris les fréquences parce que j'ai des potes qui reprennent des fréquences au niveau du Médoc. Ok, bah c'est génial ça. Ouais, il en faut de plus en plus. Alors, puisque c'est comme ça, j'ai un truc à te dire. Pour ma part, je fais partie de ceux qui font en sorte de promouvoir, redynamiser la CB. Donc sur internet, là j'ai un gros forum qui s'appelle la planète CB francophone. Voilà, la planète CB francophone. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, VK, MiWi, enfin ainsi de suite. J'ai des blogs, j'ai pas mal de trucs, je suis sur les forums routiers, automobiles aussi. Bon bref, je suis un petit peu partout là à parler de la CB. Alors quand j'entends ça, forcément je suis content. Nous aussi, je te dis, ouais, c'est la première fois que j'ai du monde sur le réseau. Ouais, alors le problème qui se passe, pourtant si, alors il y a plusieurs explications à ça. Sur les 40 canaux normaux,
Ce qui se passe, c'est que bien souvent, les stations restent tout le temps sur leur canal habituel. Voilà, ils oublient complètement qu'il y a d'autres canaux sur leur poste. Et pour les autres, eh bien, ils sont derrière en écoute. Voilà, et tant qu'il n'y aura pas une info qui leur fera tilt, qui les intéressera vraiment, comme par exemple un accident ou quelque chose comme ça, là, sur en place sur leur trajet, eh bien, ils ne prennent pas le micro, ils restent en écoute. Ça leur sert d'autoradio. Et il y a l'autre catégorie de stations qui, eux, par contre, sont en fixe. Où là, pour les entendre, eh bien, il faut aller sur les canaux supérieurs dans d'autres modes, c'est-à-dire en USB principalement. Voilà pourquoi c'est un petit peu un peu déserté au niveau des 40 canaux et qui du coup eh bien, ça nous permet sur les 40 canaux d'être tranquille pour moduler. Alors que quand la propague est là en supérieur, c'est la cacophonie, c'est des porteuses musicales, c'est tout ça, là sur le dessus, là en USB, dès qu'il y a de la propague. Ok. Voilà, alors donc c'est sûr que pour le coup on tire notre épingle du jeu, on est vachement avantagé par ça quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait quand même avoir un peu plus de stations en fréquence là, sur les 40 canaux. Quoique je me plains pas trop parce que bien souvent, pratiquement à chaque fois quand je descends là sur Bordeaux, parce que oui pour ma part j'habite là, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Voilà, je suis davantage par là-bas. Et à chaque fois quand je viens pour le boulot et tout là sur Bordeaux, la plupart du temps j'ai du monde. Alors la Belette par exemple, alors lui il répond à tout le monde, lui il n'y a pas de problème. Tu en as d'autres aussi comme ça là qui sont. Tiens, je vais sortir Bordelac. Il a envie comme ça. T'as d'autres stations aussi comme ça derrière, t'as Centaure aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ici. Si t'as quand même quelques stations, mais bon, c'est vrai que faut être là aussi au bon moment, quoi. Ça, c'est sûr, mais je vais bientôt te perdre. Je vais bientôt te perdre parce que moi, je m'en vais vers la ville. Voilà, je m'en vais vers Bordeaux et je suis là, voyez. Ok, les 73 de la station qui viennent passer la vite fait là sur la fréquence de Dandy 33. Ok, ben, je suis derrière au champ lac. Les bonnes 73 51 à toi. Merci pour ces petits QSU et à la prochaine. Bonjour de Philippe. Ok Philippe, c'était très cool, je t'avais pas reconnu. Comment vas-tu? Ça va, y'a pas de soucis. Ok, ben toi, là je suis derrière au champ lac. Là on est en vacances, on est en balade. T'as déjà allé voir du côté des boutiques moto de ce côté-là. Ok, bonne balade, à bientôt en QSO. Ouais, y a pas de problème. Je sais pas encore, c'est vrai que tu passes très mal chez moi, c'est compliqué. Je vais te dire, je vais essayer d'être en fréquence là vendredi soir, peut-être samedi soir, je sais pas encore, dans la QSO du canal 27. Mais c'est vrai que vu comment on est placé tous les deux, c'est short. Hein. Bon, on verra bien. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ben ça sera une autre fois comme ça en mobile, comme aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Allez, 73, bonne promenade et bonnes vacances. Ok, merci, les bonnes 73, merci pour ce petit contact, à plus. À plus. Putain, mais c'est un vrai singe, moi. Aïe, aïe. Oui, il doit avoir chaud. Oui, il est derrière, je l'ai entendu. Ce sont 13-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du cours d'Aquitaine. Et bonne fin de journée. Bonne
Je ne sais pas si quelqu'un a répondu dans le lointain, mais si c'est le cas, j'ai beaucoup de QRM de mon côté. Ah oui, j'ai senti quelque chose, les 73 retournés la station. Alors les stations en fréquence, si vous voulez prendre la rocade rive droite, dans le sens nord-sud, c'est complètement embouteillé. Hein.